Ça y est. Bonsoir à tous, bienvenue au Parc des Princes, bienvenue pour ce choc de 8e de finale aller de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Les choses sérieuses commencent ce soir. Comme vous le voyez, il pleut ici à Paris. Et ça, ça va pas nous empêcher d'avoir des beaux spectacles, ça c'est sûr. Contre deux, ces équipes qui se connaissent assez bien, l'hymne, on se retrouve après. La composition évidemment pour d'abord du Paris Saint-Germain, Messi en pointe sous les ailes, Di Maria et Mbappé. Verratti est de la partie et ce sera Donnarumma dans les buts. Ramos passe sur la liste et Neymar sur le banc. Alors qui était incertain jusqu'à ce soir, Neymar sera bien présent mais sur le banc. La photo évidemment des Parisiens qui espèrent frapper un grand coup ce soir ici. À la maison, face au Real Madrid, même si ce sera évidemment le match retour dans deux semaines. Donc évidemment, rien n'est joué d'avance. La faute évidemment des joueurs du Real aussi. Et maintenant la composition de Carlo Ancelotti. Avec évidemment Courtois et Benzema sur la partie. Benzema en pointe sur les ailes, Vinicius Junior et Asensio. Courtois dans les buts, Toni Kroos, Modric, Casemiro, du très beau monde. Eduardo Camavinga pas sur le banc, pas sur la liste plutôt. Et c'est parti pour ce choc entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Plus le droit à l'erreur, les choses sérieuses commencent. Ce soir, ce sont les huitièmes de finale, ce sont les matchs à élimination directe, donc plus d'erreur possible sinon. C'est direction la porte. Évidemment, c'est ce qui risque de faire mal. Di Maria, Paredes. Le très long ballon pour chercher Hakimi. Et il est servi. Mais évidemment, ballon perdu. Et la récupération pour Camaral. Casemiro, Cafuí qui se fait tacler son ballon. L'arbitre ne dit rien. Il s'en sort très bien là, le défenseur parisien. Attention avec Modric. Benzema, Kroos. Benzema, cross. Belle combinaison par Asensio qui était tout seul sur le côté. Le retour de Pereira, oui, c'est bien défendu. Carvajal, Benzema, déjà en position. Non, il ne peut pas. Asensio, le centre. On cherche Toni Kroos, dégagé par Kimpembe.
Les ballons toujours. Non, cette fois-ci récupéré par Messi. Mbappé. Mendes. Verratti. Messi. Mendes. Mendes toujours. Et non, ça passe pas face à Vinicius. C'est bien défendu. Et carton jaune. Et finalement, pour Leandro Paredes. Il avait bien vu la faute sur Casemiro qui s'était fait tacler son ballon tout à l'heure. L'arbitre m'a fait mentir et il a très bien vu et c'est très bien arbitré. Et déjà carton d'entrée pour les Parisiens en moins de 10 minutes de jeu. Mendes qui a dit qu'il y a des difficultés mais qui trouve Mbappé sur le côté. C'est bien défendu le ballon. Sort finalement en touche. Pour l'instant c'est un match très équilibré. Pas d'occasion à signaler des deux côtés. En tout cas les deux équipes se montrent déjà, se testent. Ils sont pour l'instant à jeu égal. Benzema. Et l'interception avec Hakimi. Hakimi toujours qui cherche l'ouverture. Ce sera pour Di Maria. Le contrôle complètement manqué de l'Argentin. Le ballon finalement récupéré par Kimpembe avec Verratti. Verratti qui aurait pu frapper. Pourquoi il n'a pas tenté? Mais le ballon toujours pour les Parisiens avec Mbappé qui ne peut pas se retourner. C'est défendu de justesse par les défenseurs du Real et Courtois qui préfère se dégager. Un mauvais dégagement et faute de Marquinhos. Ils se sortent très très bien là, le joueur du Real, parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Et oui, il pleut. Ici à Paris. Mais bon, c'est pas la pluie qui va les empêcher de jouer, ça c'est sûr. David Alaba, la recrue phare du Real Madrid cette année. Cet été plutôt. Avec le ballon de Benzema. Casemiro. Benzema. Militao. Militao toujours qui fonce. Modric. Casemiro, le bon ballon pour Toni Kroos. Heureusement, Verratti, Villagrain, mais il était en jeu de toute façon. Toni Kroos. Se ressortent très très bien les Parisiens sur ce coup-là. Allez, le hors-jeu, pas hors-jeu à dire. C'est très bien vu de la part de l'arbitre. Hors-jeu assez évident quand même sur ce coup-là. Paredes. Attention, le mauvais contrôle de Pereira, ça peut suffire au Real, mais alors perdu dans la foulée. Encore une fois, ils ont beaucoup de chance, les Parisiens, en ce début de match, beaucoup d'erreurs. Et beaucoup d'erreurs du côté du Real aussi. Le très bon ballon pour Marco Asensio, c'est bien fait. À la lutte avec personne, mais il attend le soutien. Et c'est finalement Marquinhos sur un très bon tacle. Qui va concéder la touche. Et éviter Asensio de partir tout seul. Cross. Oh, c'est bien fait, ballon perdu par les... Toujours pour Madrid plutôt, Benzema, la talonnade, contrée. Et les Parisiens récupèrent le ballon. Pereira, Hakimi, Di Maria, Hakimi, Di Maria, Pereira, Messi, Pereira, Di Maria, Pereira, Mbappé. Le bon ballon pour Hakimi. Oh, il s'en sort Hakimi, Di Maria, Pereira, Paredes, Verratti, contré par Alaba et coup franc, main de David Alaba. Main de David Alaba et ça donne un excellent coup franc aux Parisiens. Alors qu'on approche de la moitié de la première période, toujours 0-0 dans ces 20 premières minutes. Et Messi qui va faire parler l'expérience. 20 mètres devant le but de Thibaut Courtois. C'est bien tiré, c'est le but. Et voilà une erreur. Une erreur bête de David Alaba. Ça permet aux Parisiens pour l'instant de créer l'exploit. Avec l'ouverture du score de Lionel Messi sur un coup franc magistralement frappé. Voilà, le mur n'a pas pu faire grand chose et c'est en pleine lucarne. C'est magnifique. La part du ballon d'or, faut-il le rappeler. Et là Courtois ne peut strictement rien faire à part constater les dégâts. Et ça fait 1-0 pour les Parisiens, pour Cristiano qui laisse exploser sa joie. Mais ne pas créer une victoire trop vite, on ne sait jamais avec le Real, ils sont capables évidemment de tout. Il aura fallu d'une erreur défensive de David Alaba. Une main devant la surface et ça suffit pour que Messi ouvre le score à moins de 20 minutes du jeu. Alors qu'il n'avait pas eu une seule occasion depuis le début du match. En tout cas, ce sont les Parisiens pour l'instant qui réalisent le grand coup.
Même s'il ne faudra pas oublier évidemment la seconde période ni le match retour. Modric, Benzema. Benzema, Casemiro qui aurait pu se retourner avec Vinicius. La bonne défense de Pereira, me semble-t-il. Et la faute de Casemiro, pas signalé. Le jeu continue. Excellent ballon pour Achraf Hakimi. Di Maria. Oula, la passe complètement ratée de Di Maria. Et non, elle a finalement été contrée. Touche pour les Parisiens. Autant pour moi. L'interception de Carvajal, mais qui va concéder la touche. Eh bien, décidément, c'est pas le Real des grands soirs pour l'instant. Di Maria. Paredes. Verratti. Oh, la belle passe pour Messi. La bonne sortie de Courtois qui a totalement compris. Qui est sorti au bon moment parce que Messi était à deux doigts de conclure. Mendy. Militao. Benzema. Kroos. Benzema. Modric. Oh, l'excellent passe pour Benzema. Et la défense. Il est extrémiste de Kimpembe, parce que Benzema a autrement été tout seul dans la surface. Donnarumma qui relance. Et il trouve Mendes, alors que Vinicius était pourtant la faute. Il semblait être sous le ballon, mais là il commet une faute. Vinicius Junior, un carton jaune, un carton de chaque côté. Attention, il commence à perdre son il perd son sang-froid, Vinicius Junior, sur cette intervention. Rien à dire, il joue pas du tout le ballon. Le carton jaune, assez logique. Les joueurs du Real qui perdent leur sang-froid. C'est pas comme ça qu'ils vont réussir à se relancer. Il faut absolument garder son calme dans ce genre de situation. Mendes. Verratti. Paredes. Hakimi qui ne peut pas faire autre chose à part trouver Verratti en retrait. Paredes. Mbappé. Oh, le bon dribble de Mbappé pour Paredes. Et la barre. Et la barre qui sauve le Real du 2-0. Mais que c'était bien fait de la part d'Mbappé qui a eu Paredes tout seul. Mais malheureusement pour lui, la frappe de Paredes vient mourir sur la barre de Thibaut Courtois. Et cela faut une peu pour que le PSG fasse le break à un quart d'heure de l'habitant. Benzema, Vinicius, Vinicius Junior qui part tout seul, il n'y a personne pour le stopper. Mendy, Vinicius Junior, Kroos, on va tout sauver Casemiro, et l'égalisation. Et bien voilà, le Real revient déjà de la partie. L'égalisation de Casemiro, c'était parfaitement fait. C'était parfaitement joué de la part des joueurs du Real. Et déjà, le but extérieur qui fait mal. Pour l'instant, c'est bien et bien le Real qui est qualifié pour les quarts de finale avec ce but. Et voilà, tout comme... Donnarumma qui n'a pas vraiment eu l'occasion de se mettre en valeur. Et bien là, est battu. C'est la première occasion du Real. Ancelotti applaudit. C'est normal. Et ça fait un partout en 30 minutes de jeu. Le match est complètement relancé. Mais on s'attendait à un match très serré. Et la preuve, c'est le cas. Il n'y a pas beaucoup d'occasion, mais un but de chaque côté. Donc on ne peut pas se plaindre non plus. Attention, le long ballon pour Di Maria. Intercepté par Carvajal qui a fait le reperdre aussitôt. Qui garde ce ballon. Militao. Benzema. Casemiro, Vinicius Junior, que c'est bien fait. Ils sont en sous-nombre, les joueurs du Real. Il va y aller tout seul, Vinicius. Et c'est contré par Marquinhos. Et ce sera un corner pour les Merengui. Ah non, c'est Kimpembe qui dégage ce ballon. Ça fait deux fois. Intervention décisive. Et Donnarumma qui est furieux sur ses défenseurs. En même temps, il y a de quoi. Il était complètement tout seul, Vinicius Junior, dans la surface. Heureusement que le pied de Kimpembe a traîné dans le coin, sinon ça aurait été déjà le but de 2-1. Le corner pour Toni Kroos. Et la tête qui va mourir sur la barre de Vinicius Junior. Non, de Fernand Mendy, pardon. Et ça, il faut une peu pour que ce ballon redescende. Et le ballon monte un petit peu trop et vient mourir juste derrière la barre. Et Ancelotti hein, qui évidemment est frustré, il voyait ce ballon dedans. Eh ben non, ça fait toujours un partout dans ce choc des huitièmes de finale. Marquinhos, Paredes, Mbappé, Paredes, Pereira, Di Maria, Messi, Festival de Messi qui trouve Mendes sur le côté. Le bon ballon pour Mbappé qu'on n'a pas vu depuis le début du match pour l'instant. Mendes,
Mendes, le centre au contrer. Pénalty, j'ai la pression, encore une main. C'est Freus, la deuxième main du Real. Et cette fois, c'est Fernand Mendy qui a été intercepté par la patrouille. Eh ben oui, il n'y a pas grand chose à dire. La main, on la voit. Et ça donne un pénalty pour le Paris Saint-Germain. Deux erreurs, deux fautes de main de la part du Real. Et c'est encore Messi. Cette fois-ci sur pénalty. Et l'arrêt! Et la parade de Courtois sur le pénalty de Messi. Le Real est encore là. Le premier arrêt vraiment important de Thibaut Courtois, il est magnifique. Il est la plongée du bon côté et ça donne un corner aux Parisiens. Une main du Real qui a conclu l'ouverture du score de Messi. Mais la deuxième main, donc un pénalty, mais détourné par Courtois. Attention, Messi il va tout seul. Paredes, Messi, la frappe de Messi contrée. Ce sera un nouveau corner pour les Parisiens. Pour Cristiano, évidemment. Vous voyez ce ballon au fond. Que c'est bien fait encore, regardez-moi ça. Heureusement, c'est que le genou qui touche cette fois-ci, parce que là, les troisième mains auraient quand même été assez problématiques de la part des joueurs du Real. Et le corner. À 8 minutes de la mi-temps. Et c'est Messi qui s'en charge de ce corner. Et il me semble que c'est le premier corner pour les Parisiens. C'est pas très bien tiré. Attention, c'est pas terminé avec Paredes peut-être. Non, c'est Casemiro qui a le ballon. Oh, la faute de Paredes dans la surface. Et oui, c'est carton rouge. Et le deuxième carton jaune. Et ben voilà. Rien ne va plus du côté parisien après un pénalty raté. Et l'expulsion de Leandro Paredes. Plus qu'en retard sur cette intervention, la sortie de Kylian Mbappé. Et entre les Jorginho et Wijnaldum. Rien ne va plus. Paris est en train de sombrer. Alors qu'ils avaient parfaitement débuté le match. Mais là, ils vont évoluer à 10 jusqu'à la fin du match. Et Mbappé est contraint de sortir. Remplacé par Jorginho Wijnaldum. Attention, un ballon grappé. Gratté plutôt. En savoir de la surface des Parisiens avec Hakimi. Hakimi qui attend le soutien. Il n'y a personne. Pereira, Hakimi. Hakimi toujours. Et ça ne passe pas face à Sessio. C'est bien défendu. Tu vas même éviter la touche. Benzema. Asensio. Asensio qui se débarrasse d'Hakimi sans aucune difficulté. Même s'il réussit à revenir. Carvajal. Casemiro. Asensio. Asensio toujours. La lutte avec Wijnaldum. La talonnade. Mais il n'y a personne à part Hakimi. Marquinhos. Pereira. Marquinhos, et ouais, attention, ce ballon perdu, ça peut suffire pour le Real avec Casemiro, cross en difficulté, Mendy, Casemiro, Mendy, cross, Vinicius Junior, il y a du monde à la surface, le centre au contrée et l'interception de Mendes qui dégage. Attention, ce ballon perdu encore, et le Real qui évidemment va foncer alors qu'il y aura 3 minutes encore à jouer dans cette fin de première période et toujours un partout entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Mais Leandro Paredes a pris 2 cartons jaunes, donc les Parisiens vont évoluer à 10 jusqu'à la fin du match désormais. Attention, Camara là, en bonne position. Camara le centre pour Benzema, la sortie de Donnarumma in extremis parce que c'était très bien fait. Attention, c'est toujours pas terminé cette occasion pour le Real avec Vinicius Junior, la talonnade pour Kroos. Kroos, Benzema qui a vu Mendy sur le côté. Bon retour de Verratti. Attention, c'est pas fini. La frappe et l'arrêt de Donnarumma. Salvateur. La défense est aux abonnés absents pour l'instant du côté parisien. La superbe frappe. Là, on ne voit même pas qui c'est. Merci beaucoup la caméra. L'arrêt salvateur de Gianluigi Donnarumma parce que ça semblait. Ça sortait très mauvais là, pour les Parisiens cette action-là. Ça semblait finir au fond pour le Real. Et le corner, juste avant la mi-temps, même si le temps additionnel est dépassé, le corner, c'est raté. C'est quand même récupéré par Vinicius, mais l'arbitre siffle la mi-temps. Et un partout entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Malgré un bon début de match, les Parisiens ont sombré lors du dernier quart d'heure. Un carton rouge et une nette domination des Espagnols. Attention, le match n'est pas...
plus du tout dans la poche des Parisiens qui sont pour l'instant éliminés. Évidemment, puisqu'un but à l'extérieur compte double. Vu qu'on est à Paris et pas à Madrid. Et c'est parti pour cette seconde période de ce Paris Saint-Germain Real Madrid. Y a-t-il eu des changements à la pause? Non. On reprend les mêmes 22 acteurs, même s'il y a déjà eu un changement forcé pour les Parisiens. Donc, ils n'ont déjà plus que 4 remplacements à faire, alors que les Madrilènes, eux, en ont encore 5. Le très bon ballon pour Hakimi. Parfaitement servi, même si là, il va devoir temporiser, parce qu'il n'y a personne pour le servir. Pour l'aider plutôt. Hakimi toujours. Wijnaldum. Wijnaldum qui se débarrasse des défenseurs. Messi qui a réussi à se retourner. Wijnaldum, c'est dégagé par Mendy. Benzema, cross. Et Benzema. Et l'interception de Marquinhos sous cette passe un peu téléphonée. Mendes. Hakimi. Verratti. Di Maria, Hakimi. Hakimi toujours. Pereira. Wijnaldum. Il y a du monde là du côté parisien. Verratti. Messi. Et la égalité donc. Qu'est-ce que je raconte? Et la doublée de Lionel Messi. En seulement 5 minutes dans cette seconde période, les Parisiens reprennent l'avantage. Quelle maestria de la part de Lionel Messi. Superbe frappe. Qui vient encore une fois se loger en pleine lucarne de Courtois qui ne peut rien faire. Un contrôle et hop. Une frappe stratosphérique qui va mourir dans la lucarne droite de Thibaut Courtois. Et la Mendy ne peut rien faire à part regarder. Quel coup de génie de Lionel Messi et les Parisiens qui pour l'instant se repassent devant au niveau du score grâce au doublé de Lionel Messi et la sortie de Danilo Pereira. Ah d'accord, merci de mettre celui qui vient de rentrer. Et c'est que oui, c'est Colin Dagba me semble-t-il. Et voilà. Le doublé de Messi qui fait du bien pour l'instant parisien. Ah non, c'est Idriss Agué qui est entré. Donc pour l'instant avec ce but, Messi pour l'instant qualifie les Parisiens. Mais évidemment le match est loin d'être terminé. Et surtout, il ne faut pas oublier le match retour. Casemiro, Benzema, Modric, Benzema. Benzema qui est complètement transparent depuis le début du match. Mais attention, on n'a pas non plus l'oublier non plus. Mais Modric... Casemiro, Modric, et la bonne défense de Marquinhos. Il a tout compris à cette attention de Luka Modric. Hakimi. Messi. Di Maria, Messi. Mendes. Messi. Messi toujours, il va y aller tout seul, la frappe. Et la superbe parade de Thibaut Courtois sur encore un coup de génie de Lionel Messi. Deuxième arrêt de Courtois sur Messi après le pénalty raté de la première période. Là, ça fonçait, ça filait droit au but. Oh, heureusement, Courtois était là pour sauver les meubles. Évidemment, quand on parle du duel Messi-Benzema, on pense tout de suite évidemment à la Liga avec évidemment le Real et Barcelone. Mais ça n'est plus le cas pour Messi. Le corner de Messi s'est dégagé. Et ça va être ici récupéré par Asensio qui s'en sort malgré la pression de dos défenseur parisien. Benzema, Carvajal, le très bon ballon pour Asensio. Benzema, Casemiro, cross. Cross, il va tout seul. Contré et interception de Kimpembe. Donnarumma. Attention avec Marquinhos sous pression. Donnarumma qui dégage. Mais ballon récupéré par Asensio. Et coup franc pour le Paris Saint-Germain. Là c'est assez incompréhensible parce qu'il n'y avait pas d'avoir grand chose. Peut-être un hors-jeu. Mais là il faut aller le chercher. Il faut aller le chercher ce hors-jeu là. Hakimi. Gueye. Verratti. Ouh là là, attention à la faute de Karim Benzema, carton jaune, attention. Ils recommencent à perdre leur sang-froid les joueurs du Real. Il faut absolument qu'ils se calment. Ah oui, Real ne touche pas le ballon.
Et il arrive en retard, Karim Benzema sur Marco Verratti. Et carton jaune assez logique. Alors qu'elle est entrée dans la dernière demi-heure de cette rencontre. Et 2-1 désormais pour les Parisiens. Attention, j'ai une occasion pour Wijnaldum avec Messi encore. Messi! Le festival de dribble, Messi! La parade! De Courtois une nouvelle fois, la sixième occasion déjà pour Messi. Et un nouveau changement, la sortie d'André Di Maria et l'entrée de Neymar. Celui que l'attendait, pas trop, mais qui est finalement là. Neymar qui fait son entrée à la place de Di Maria qui aura fait un match très moyen ce soir. Messi avec Kimpembe. Ou le centre, attention, c'est dégagé. Carvajal. Vinicius Junior, l'excellente passe. Vinicius Junior sur le côté qui déborde. Il n'a personne pour l'arrêter. Il va trop vite. Le centre. Et l'égalisation. Et ben voilà, l'égalisation de Luka Modric. Et voilà la superbe accélération de Vinicius Junior qui a permis de trouver la faille dans la défense parisienne. Et le Real, avec ce but, se re-qualifie pour les quarts de finale. Quelle tête de Luka Modric là, Donnarumma qui n'est pas du tout un endroit où il faut pour faire quelque chose. Il est totalement pris à contre-pied Donnarumma. Et c'est imparable. Et Luka Modric qui redonne pour l'instant la qualification en quart de finale pour le Real dans ce match aller. Match complètement fou entre Messi qui est celui qui a le plus d'occasions. Qui n'a marqué que 2 buts. Et le Real qui a quasiment aucune occasion du match, mais qui réussit à égaliser. C'est vraiment un match de folie. De toute façon, on s'attendait à un match très compliqué pour les Parisiens. Cross. Benzema. Ouh, l'interception de Marquinhos. Très importante, parce que là, Modric partait tout seul à mauvais espace. Cross. Ouh, le bon ballon pour Vinicius Junior. Vinicius! Et la parade de Donnarumma. Salvatrice, il n'y a pas d'autre mot. Il était complètement seul, Vinicius Junior, de la surface. Heureusement, Gianluigi Donnarumma était là pour sauver les meubles. Qui peste sur ses défenseurs, il y a de quoi, il n'y a personne. Il n'y avait personne pour stopper Vinicius Junior. À part le dernier rempart Donnarumma, heureusement. Parce que là, ça semblait... Parce que là, c'était tout simplement terminé. Casimiro a l'air de s'être blessé, le corner dégagé. C'est récupéré parmi les sous-juniors. Oui, je vais y arriver. Modric. Casemiro. Modric. Asensio. Attention, Vinicius. Encore. Et ben voilà. Cette fois, c'est la bonne pour Vinicius Junior. Le troisième but pour le Real. Et la qualification s'envole pour les Parisiens avec ce troisième but. 3 buts à l'extérieur. Ça fait très très mal. Et là, il n'y a rien à dire, c'est tout simplement parfait de la part de Vinicius Junior qui venait de buter sur Donnarumma il y a quelques secondes. Et là, cette fois-ci, c'est dedans. Il n'y a rien à dire. Et voilà, il y aura quand même eu 3 buteurs différents du côté du Real contre seulement 1 du côté parisien. Et Ancelotti ne peut qu'applaudir, il a tout à fait raison. Ça sent le roussi pour les Parisiens, ce match aller. Est en train de tourner au cauchemar. Alors que les Parisiens pourtant ont bien démarré le match. Avec un but à la 20e minute. Vinicius Junior. Benzema. Vinicius Junior. Pour l'instant le meilleur joueur du côté du Real. Sans aucune contestation. Militao. Modric. Benzema qui attendait le ballon. Mais il n'a pas vu Modric. Oh, la superbe frappe de Modric. Mais Donnarumma était vigilant. Il a déjà marqué Modric. Modric qui avait marqué le but de l'égalisation. De la seconde égalisation. Et Donnarumma qui est tout content de voir ce ballon sortir. Et oui, forcément le ballon glisse avec la pluie. Et nouveau corner pour les joueurs d'Ancelotti. Et le joueur 2 avec Asensio. Le centre. Attention, la tête. Et c'est dedans. Et cette fois-ci, c'est Casemiro. Et le 4e but. Pour le Real, c'est une véritable correction pour les Parisiens. Ben voilà,
À part Messi, aucun joueur du Paris, aucun joueur du Paris Saint-Germain existe ce soir. La tête de Casemiro qui est quand même assez loin, mais qui finit au fond parce que personne n'est sur lui. Kimpembe est beaucoup trop petit pour faire quelque chose. Donnarumma fait ce qu'il peut, il frôle le ballon, mais c'est bien dedans. Et ça fait 4-2 pour le Real Madrid. Pour l'instant, ce match-là est une véritable catastrophe du côté du Paris Saint-Germain. La sortie de Vinicius Junior et la sortie... Non mais merci, l'entrée de Gareth Bale, ça c'est assez évident. Alors, on va se pencher sur évidemment les autres. Alors, l'entrée d'Eden Hazard aussi, la sortie de Vinicius Junior, oui. Et l'entrée de Gareth Bale et la sortie de Marco Asensio, qui vient juste de marquer ce but. Donc attention, le duo Hazard-Bale risque de faire mal. Attention avec Neymar. Gay, Neymar de nouveau pour chercher Verratti. Faute d'Alaba. Et carton jaune pour David Alaba. Heureusement que c'est pas dans la surface. Même si on était tout proche. Et Verratti qui, à mon avis, j'ai l'impression qu'il réclame plus qu'un jaune. Faut pas plus exagérer. La faute, oui, mais réclamer un rouge pour ça. Faut pas plus exagérer. On a vu bien pire. Comme faute qu'il avait même pas. Ils n'ont soit pas été sifflés, soit pas sanctionnés du tout. Mais si, pour le coup franc. Ça avait déjà marché en début de match, à la 27e minute. A-t-il inscrit un triplé et redonné un peu l'espoir? Ou est-ce que le mur va faire la différence? Le coup franc. Oh, l'arrêt de Courtois cette fois-ci. C'est peut-être pas terminé. Si, c'est dégagé. Modric. Et ballon complètement, passe complètement, c'est rendu à Mendes. Neymar. Messi. Wijnaldum, oui, il y a une ouverture. Wijnaldum, mais là, il peut pas faire grand-chose. Hakimi. Gay. Wijnaldum. Neymar. Verratti. Verratti. C'est l'arrêt encore de Courtois. Il est en feu, Thibaut Courtois. Dans cette fin de match. Il n'aura pris... que le but, le gardien belge, alors que son adversaire italien en a pris 4. Et ça fait toute une différence. Le corner de Léo Messi. 90% de passes à 89, c'est très serré au niveau des passes, mais au niveau du score, c'est pas le cas. Attention, Neymar qui réclame un penalty, mais l'arbitre n'en fera rien. Le ballon fait pour Gareth Bale. Benzema. Bale, Benzema, ça ne passe pas. Bon retour de Marquinhos. Verratti. Hakimi. Marquinhos. Wijnaldum. Messi. Wijnaldum. Verratti. Messi. Ouh, la bonne passe pour Wijnaldum. Il peut y aller tout seul, même si ça va être compliqué, parce qu'il y a toute la défense sur lui. Wijnaldum. Et non, excellent retour de Carvajal. Et qui se trouve Benzema. L'excellent ballon pour Hazard peut-être. Et oui, il est servi de Hazard. Attention au cinquième but peut-être. Le centre pour Bale. Ah ben voilà. Et Gareth Bale. Qui est entré il y a à peine 5 minutes. Et qui s'offre déjà un but. Le match est totalement terminé. Pour les Parisiens. Là, il n'y a plus d'espoir possible dans cette rencontre. C'est totalement plié. Les portes des quarts de finale sont de plus en plus grandes ouvertes pour les hommes d'Ancelotti. Il y avait absolument personne dans la surface pour défendre. Et évidemment, Gareth Bale en profite. Forcément, la sortie de Toni Kroos, c'est l'entrée. Non, pas de Vasquez, de Nacho, me semble-t-il. Non, mais voilà, la correction continue. Pour les Parisiens. Alors, et non, c'est Isco qui est entré. Excusez-moi. Et on entend que le match se termine parce que là, c'est une véritable correction que subissent les Parisiens ce soir à la maison. 5 buts à extérieur. Donc le bilan est plus que raté. Pas grand chose à dire. Ouh, attention à la mauvaise relance de Courtois. Neymar. Contré. Et non, ça ne passe pas. Attention, ce ballon qui a fait être intercepté, mais pas du tout. Benzema. Bale. Benzema. Isco. Bale. Benzema. Mendy. Benzema.
Et le dégagement de Mendes, Verratti, Neymar. Excellent ballon pour Messi. Le seul joueur parisien qui aura existé ce soir. Et l'interception de Casemiro sans aucun problème. Mendy, Hazard. Ici, interception. Et finalement, non. Ballon toujours pour le Real. Benzema. Interception de l'équipe aimée. Cette fois-ci, il n'y a pas de doute. Mendes. Gay. Messi. Neymar. Neymar toujours. Ou le centre pour Messi. C'est peut-être pas terminé. Non, il n'y aura pas de coup de sifflet. C'est Alaba qui récupère ce ballon. Cavaral. Isco. Attention à cette situation qui a abouti à un but tout à l'heure. Mais cette fois-ci, la défense a compris. Eh bien, elle est revenue très vite. Alors qu'il y aura 5 minutes traditionnelles. C'était peut-être pas nécessaire vu le score. Mais c'est comme ça. Isco. Hazard. Ou la belle talonnade pour Isco. Bien gêné par Marquinhos. Bon, c'est Hakimi. Donnarumma qui sort de sa cage, peut-être pas très prudent. Façon perdue pour perdu. Il n'y a plus grand chose à perdre. Et bizarrement, aucun attaquant du Real n'est venu mettre la pression de Donnarumma. Tant mieux pour lui. Neymar. Le long ballon pour chercher Hakimi, c'est bien fait. Hakimi. Messi. Verratti. Qu'est-ce qu'il attendait pour frapper? Gueye. Neymar. Neymar, le centre! Et le but d'Idrissa Gueye ou Wijnaldum, je ne sais pas trop. On ne saura jamais vu que la caméra n'est pas décidée à nous montrer qui c'est. Non, d'accord, on ne saura pas. C'est soit Gueye, soit Wijnaldum, ça c'est sûr. Superbe centre de Neymar. Et hop, la reprise. Vous portant 5 à 3. Alors voyons. Et c'est bien Gueye. C'est bien Idrissa Gueye. Qui a inscrit le troisième but parisien. Et Pochettino qui est content, mais bon, quand on regarde le score, il n'y a pas de quoi sauter au plafond non plus. Et Gueye, forcément, qui laisse exploser sa joie, c'est normal, mais bon, c'est un peu tard là pour se réveiller du côté parisien. Comme le speaker se réveille, même si c'est un peu trop tard, donc il reste 10 secondes à jouer. Et on va en rester là, c'est terminé. Victoire du Real, 5 buts à 3. Si le vrai match se termine comme ça, ça risque d'être extrêmement compliqué pour les Parisiens au Bernabéu dans 2 semaines. Il va falloir montrer un bien meilleur visage. Benzema, certes, n'aura pas eu d'occasion ce soir. Mais ses partenaires, eux, ont su se montrer plus que décisifs. Doublé de Casemiro. Tout comme un doublé pour Messi. Sauf que du côté du Real, on s'est largement baladé en seconde période où il n'y avait quasiment aucune résistance en face. Et le but à la toute fin ne changera rien du tout à l'issue du match. Donc voilà, ça va être là. Et je vous donne rendez-vous peut-être pour un autre match. Mais en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Et à demain pour le Bayern Munich-Salzbourg. Évidemment, pour la suite des 8e de finale. Je vous souhaite une bonne soirée.